Would you stand in body or in spirit? Veuillez vous lever de corps et d'esprit pour notre culte. Justifié par la foi, nous nous réunissons centrés sur le Christ, en paix en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un espoir qui ne nous décevra pas. Nous voyons avec clarté à travers les fractures de notre monde, de l'Église et de nos vies. Dans un corps de foi, nous décernons dans ces fractures ce que d'autres ne voient pas, l'assurance de la foi, de la grâce rédemptrice et la conviction que nos larmes ne sont pas perdues dans la mort, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous donne la vie éternelle, la vie éternelle. Nous avons l'espoir de la vie ressuscitée. Nous nous réunissons ensemble. Nous savons que Dieu conduit, nous conduit à chaque étape dans la rédemption. Levons-nous et chantons. L'assurance bénie. Tu m'as envoyé ça. Reçu. Merci beaucoup. Merci.
Veuillez vous asseoir. Veuillez vous joindre à moi dans cette prière. Dieu d'amour qui a donné naissance à la création, nous te demandons de nous parler à nouveau. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour recevoir la voix de ton espérance, la vérité de ta grâce et la vie de ton évangile. Nous prions en Jésus qui est à la fois ta parole vivante et le rocher de l'espérance sur lequel nous nous tenons avec reconnaissance. Amen. On Christ the Son, 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 on
우리는 믿음으로 말미암아 C'est pourquoi, puisque nous sommes justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons obtenu l'accès à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons et nous nous glorifions de notre présence, de participer à la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions ainsi que nos afflictions, sachant que l'affliction produit l'endurance et que l'endurance produit le caractère et que le caractère produit l'espérance et que l'espérance ne nous fait pas rougir parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Source de toute espérance, murmure à nos âmes ces mots anciens de l'Écriture. Inspirons-nous une endurance qui produit du caractère, une espérance qui transforme notre vision et un amour qui devient aussi naturel que la respiration. Amen.
nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière d'espérance, dans la douceur de nos percées et la lutte de nos fardeaux. Crée en nous une espérance qui voit l'intersection de l'éternel et du quotidien. Dans les rythmes de cette conférence générale et la dynamique de nos interactions, crée en nous un espoir qui illumine le visage de Jésus dans chaque visage que nous voyons, dans la souffrance déchirante de notre monde souvent violent. Crée en nous un espoir qui inspire notre engagement total en faveur de la paix et de la justice, dans la justice, dans les défis et les transitions auxquels l'Église méthodiste unie est confrontée. Crée en nous un espoir qui nourrit une foi vibrante et une vie de disciples plus profonde. Dans les pleurs et l'émerveillement du pèlerinage quotidien, créons-nous une espérance qui accueille celui qui insuffle à chaque instant la grâce sanctifiante. Viens, esprit d'espérance, apporte une vision élargie et veille une joie durable. Conduis-nous vers une vie nouvelle. Veuillez vous lever et vous joindre à nous pour chanter « Ô Dieu, notre secours » dans les âges passés. Beautiful people of God, we that part of God's beloved community called United Methodist gathered together in this time-warped general conference. Beautiful people of God, join your hearts with me in this benediction prayer. Surround us with your grace, God of all hope. Let our lives become songs of praise. Entoure-nous de ta grâce, Dieu de toute espérance, que nos vies deviennent des chants de louanges, qu'il n'y ait pas d'incohérence entre notre adoration et ce que nous sommes partout, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, que nos pensées, nos actions, nos paroles témoignent de la voix de Jésus au nom duquel nous prions et dans l'espoir duquel nous vivons. Amen.